Seigneur, nous bénissons ton nom.
Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour. Nous disons merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, on ne serait rien. Nous glorifions ton nom, toi qui nous as relevés. Seigneur, tu nous dis que le juste tombera sept fois et sept fois il se relèvera. Seigneur, nous te glorifions parce que c'est toi qui nous fortifies. C'est toi qui prépare nos mains au combat. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi, Seigneur, qui nous amène de gloire en gloire avec toi. Oh Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Avec toi, seulement avec toi, Seigneur. Avec toi, je veux.
sainte, oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, nous avons notre divin Seigneur, de gloire en gloire, conduis-nous, Dieu d'amour, tu m'emmènes. Amène-nous, Seigneur, là où tu nous veux, oh mon Dieu, mon roi. Que ta volonté soit faite dans nos vies, mon Dieu. Que ton royaume vienne dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs de ta sainteté, Seigneur. Amène-nous, Seigneur Jésus. Conduis-nous là où tu nous veux, Seigneur. Tu m'emmènes. Surrender to you, oh God. We surrender to you, oh Jesus. Be glorified, be exalted. Lead us, oh God. Have your way in us, oh Lord. We want you. Only you, God. More than silver, oh gold. We want you. C'est toi, Seigneur, que nous voulons. C'est toi, Seigneur, que nous voulons. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout. You're all I ever need.
Garde-moi près de toi.
Dans ces deux versets, vous savez que Dieu a appelé Abraham. Je vais vous asseoir. Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Et il lui a donné la promesse de dire, je vais multiplier, je vais te multiplier. Toi que tu vois avec Sarah, je vais te multiplier. Dans le ventre de Sarah sortira des rois et des princes. Il vient le voir encore à 99 ans. 24 ans après, pour dire, je ne t'ai pas oublié, je suis Dieu fort et je suis le Dieu puissant qui t'a appelé des golfs, des Mésopotamie. Je me souviens de la promesse que je t'ai donnée. Crois-moi, mais marche, continue à marcher dans la droiture et dans l'intégrité. Votre Dieu est comme ça. Abraham l'avait déjà dit, dans ma famille est né un serviteur qui s'appelait Eliezer. C'est celui-là qui sera mon héritier. Il dit non, 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 non. Celui qui sera ton héritier naîtra de saint de Sarah. Et il n'a pas fait. Il revient encore pour lui dire. Je suis Dieu tout-puissant, je suis le Dieu fort. Je vais te donner quelque chose que je t'ai promis. Un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la promesse de Dieu aujourd'hui, ne dis pas ça traîner. Abraham, parce que Dieu est venu vers lui, ça faisait 24 ans. Et un enfant qui est né à ce moment-là, il est en train de se marier. Et il vient lui dire. Et en plus, Abraham, il n'est plus fonctionnaire. Alléluia. Il ne fonctionne plus. Sarah ne fonctionne plus. À ce moment-là, à cet âge-là, je crois que Sarah avait 89 ans. Alléluia. Mais il vient leur dire, c'est pas fini. Je me souviens. Alléluia. Voici le Dieu que nous prions. Voici le Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible. Tu vois que tu es incapable, tu ne fonctionnes plus, ta femme ne fonctionne plus. Mais moi, je suis le Dieu fort et le Dieu puissant. Amen, amen. Ce que l'homme ne peut pas penser,
C'est que l'homme se pose, là où il se pose la question, moi je dis, je fais. Et je ferai. Alléluia. Amen. Et il dit, tu vas attendre dans la droiture et dans l'intégrité. C'est-à-dire, pas de mots, pas de plaintes, pas de lamentations, pas question de dire, mais quand qu'est-ce qui m'arrive? Je vois les autres, depuis qu'il m'a parlé, je vois le fils d'un tel, ça fait 24 ans, il vient de se marier, nous avons été au mariage hier. Alléluia. Amen. Et puis, il lui dit, encore une fois, et puis plus bas, il lui dit, ce que je voudrais te dire, tu dois changer de nom. Tu t'appelais Abraham, Abraham, maintenant tu vas t'appeler Abraham. Ce qui veut dire le père de la multitude. Et ça là, que maintenant il doit changer de nom, il doit s'appeler Sarah, la mère de la multitude. Va comprendre notre Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à celui qui est ici, qui attend longtemps ses promesses, que ces promesses vont s'accomplir et vont s'accomplir. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Tu ne dis pas, tu peux mourir. Non, tu ne peux pas mourir parce que tu attends les promesses. Voici une opportunité qui t'est donnée pour dire, je ne mourrai pas parce que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies. Et Dieu ne peut pas te toucher parce qu'il t'a promis qu'il doit vivre cette promesse. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 18 et 20. 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voici, lorsque Dieu te dit, attends-moi, il ne te reste pas chômeur. Tu dois fonctionner. Tu dois travailler. Alléluia. Il n'y a pas question de dire, puisque j'attends, je vais m'asseoir jusqu'à ce que les promesses de Dieu arrivent. Tu dois fonctionner. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu ici sur la terre pour une mission. De concilier le monde avec son Père. Et lorsqu'il a arrêté, il est monté au ciel et a dit, vous qui venez à moi, continuez la mission. Vous êtes mes ambassadeurs. Savez-vous que vous êtes des ambassadeurs plénipotentiaires? Ces gens-là qui vont partout dans le monde pour parler de leur pays. Et vous, votre mission est de parler du royaume de Dieu. Alléluia. Ne crains pas de faire une dépense pour inviter quelqu'un. Vous partagez un café que tu viens d'acheter chez Tim Morton. C'est là où vous achetez, vous? C'est ah bon. Enfin, là, soit quel que soit l'endroit, achetez pour quelqu'un et lui dit, assieds-toi, nous allons partager. J'ai quelque chose à dire. Pour lui parler du royaume de Dieu. Rien que ça. Tu as fait une dépense. Et ces dépenses-là seront marquées dans le livre des souvenirs. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te le rendra lorsque tu arriveras au ciel.
Dieu va te dire, qu'on te sert un café là-bas. Alléluia. Amen. À côté de moi. Alléluia. Amen. Parce que cette dépense que tu as fait, je voudrais te repayer. Je vais te rembourser. Dieu va te rembourser. Dépense pour le royaume. Dépense pour le royaume afin que Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Tout ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons faire pour que les gens viennent au royaume, nous devons le faire. Durant ces 21 jours, je priais à Dieu, je lui disais, je t'ai dit, j'ai marché avec la fatigue pour appeler les gens du quartier pour qu'ils viennent. Seigneur, je n'ai pas encore vu, je n'ai vu personne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Seigneur m'a dit, attends. Tu as marché, tu es allé, mais toi tu attends. J'attends, je continue à attendre. Dieu m'a dit d'attendre au cours de cette prière que nous avons fait de 21 jours. Et je suis sûr qu'un jour, je parlerai devant une face où nous allons enlever cette clôture pour que les gens puissent rentrer. Je crois. Amen. Je crois. Amen. Et je suis convaincu. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Si ce n'est pas après-demain, c'est le mois prochain. C'est en tout cas, je sais que ça se fait. Comme Abraham a attendu 24 ans, moi, qu'est-ce qu'attendre quelques mois, quelques années, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien ça pour, par rapport à Abraham. Mais Abraham a attendu et il a vu la gloire de Dieu apparaître. Je continue à attendre. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à inviter des personnes, à appeler des personnes, à parler des personnes à l'arrêt de l'autobus. Les personnes que vous rencontrez dans l'autobus, les personnes que vous, avec lesquelles vous travaillez, il faut parler du royaume. Il faut que le royaume soit connu absolument. Alléluia. Quel que soit le moyen que toi tu vas utiliser, qui te semble facile, mais fais-le. Ne dis pas, moi, mon moyen c'est comme ça, mais tu ne le fais pas. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va le porter. Le jour de la moisson, tu seras content. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous allons semer, nous marchons en pleurant. Mais lorsque nous allons moissonner, c'est la joie. Alléluia. Il ne faut pas que tu ailles au ciel. Dieu te dit, la personne qui était là, que tu rencontrais, que tu rencontrais le matin ou avant d'aller au travail, à l'arrêt de l'autobus, tu n'as jamais parlé de ça. Alléluia. Il faut que vous soyez de ces personnes. De ces personnes que Dieu attend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons lire la parole du jour. La parole du jour se trouve dans Romains 6, versets 22 et 23. Romains 6, 22 et 23. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fin la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Ici, dans le verset 22 chez moi, on dit, mais maintenant que vous êtes affranchi du péché, et à servir à Dieu, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Je souligne ici la sanctification. Je voudrais vous dire que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas sanctifié. Sinon, tu seras comme Uza, le serviteur de David. Il n'était pas sanctifié et il est allé toucher l'archégaillance. Il est mort sur le chemin. Mais lorsque tu es sanctifié, comme vous l'êtes aujourd'hui, je suis sûr que chacun de nous a fait ces 21 jours en train de jeûner et de prier. Vous êtes sanctifié, vous êtes dans la sanctification. Vous n'avez aucune raison
d'avoir peur d'être ambassadeur et de parler du royaume de Dieu parce que vous remplissez des conditions. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, nous remplissons des conditions de la sanctification. Alléluia. Vous pouvez maintenant aller, vous pouvez prêcher la parole de Dieu, vous pouvez donner le message de Dieu parce que vous êtes sanctifié. Alléluia. Mais vous devez le faire dans l'intégrité, dans la droiture, et rien ne doit se passer en dehors de ces deux manières. Intégrité et la sanctification. Intégrité, droiture et sanctification. Et puis, il faut avoir conscience, être convaincu que ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu, et ne pas faire semblant. Tu es en train de faire, je le fais parce que le pasteur l'a dit. Non! Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je communique, je suis une machine qui tourne et qui parle. Je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Et le reste, c'est toi avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le titre de notre message, c'est « Unis à Christ, nous menons une nouvelle vie ». Lorsque tu es uni à Christ, la vie que tu mènes, d'ailleurs, n'est plus à toi. Et puis, c'est la vie meilleure. C'est la meilleure vie. Alléluia. C'est la meilleure vie. Et lorsque tu es sanctifié, il n'a plus à avoir peur de dire, est-ce que je peux dire ceci à cette personne pour qu'il vienne à Jésus-Christ? Non. Tout ce qui sort de toi est bon. Toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche est agréable à Dieu. Et cette parole, lorsque tu vas la faire sortir, ça va changer la personne qui va recevoir ce message. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un rencontre un homme en état de ébriété. Vous savez ce que c'est être en état de ébriété? Être ivre. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui marche. J'ai perdu mon chemin. Alléluia. J'ai perdu mon chemin. Où est-ce que je vais? Et il s'adressait à une personne qui passait de son quartier, mais qui n'a pas reconnu. Alléluia. Lorsqu'on a pris son verre, parfois on ne reconnaît plus de personnes. On ne reconnaît plus sa femme, on ne reconnaît plus son mari, on ne reconnaît plus son enfant. Attention, c'est qu'ils prennent de l'alcool. Évitez. Lorsque ça vient de trop, on ne reconnaît plus des personnes qui te sont chères. Tu regardes ton enfant, où est-ce que j'ai vu cet enfant? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ah. Le passant à qui il s'adressait lui dit, tu demandes où tu vas? Tu vas tout droit à la destruction. Tu vas tout droit à l'enfer. Et un homme qui est ivre, il répète toujours ce que tu lui dis. Je vais à l'enfer. Je vais à l'enfer. Il a continué. Cet homme, comme il le connaissait, il a conduit jusque chez lui à la maison. Mais il a continué à parler pendant qu'il était au lit. Je vais en enfer. Il s'est levé le matin. Je vais en enfer. Et il s'est rendu compte, lorsque la conscience est revenue, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais en enfer. Je confesse que je vais en enfer. Il n'a plus conscience. Il a confessé ses péchés à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et peu à peu, il est sorti de la première rue. Et peu à peu, il a été agi. Alléluia. Amen. Voilà. Mais lorsque ce passant lui a dit, ça doit être un chrétien, on ne dit pas, là où je lis, on ne dit pas qu'est-ce qu'il était. Mais ça a changé. Apparemment, c'était fort pour lui dire, tu vas tout droit à l'enfer. C'était très fort. Mais ça a changé la personne. Je me suis dit, ça c'est la parole du Saint-Esprit qu'il a mis dans la bouche de cet homme. Dis-lui, n'aie pas peur. Toi aussi.
Si tu as bien prié, et que comme tu es dans la sanctification maintenant, ne crains pas de ce qui va sortir de ta bouche, c'est une parole sanctifiée et qui va faire des miracles devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons confessé nos péchés à Dieu, alléluia, avec détermination. Confesser les péchés, tu dois être déterminé. Ce n'est pas un jeu qu'on fait. Ce n'est pas faire semblant. Mais tu dois être déterminé de dire, je confesse les péchés. C'est-à-dire, je dis, je parle à Dieu de mes péchés et je prends la décision de ne plus reprendre ces péchés-là. Alléluia. Amen. Confesser, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas que seulement dire le Seigneur, j'ai péché, et puis tu reprends quelques minutes après. C'est-à-dire, tu es déterminé, c'est une décision qui a été prise, donc il y a un changement. À ce moment-là, lorsque tu fais cela, c'est à ce moment que tu es uni à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu es déterminé à changer, tu es déterminé à dire non à Satan. Lorsque tu es déterminé à dire je confesse mes péchés, immédiatement tu es uni. Même si tu ne le vois pas dans ta vie, dis-toi je suis uni à Jésus-Christ. Parce que j'ai confessé mes péchés. Alléluia. Et la vie que tu mènes, et la vie que nous menons à ce moment-là, est différente de la sienne. Parce que tu as pris la décision, parce que tu as fait un choix. Lorsque tu as fait un choix, il y a un changement radical dans ta vie. C'est ça que vous avez fait. Je suppose que la prière que nous avons faite pendant 21 jours, ça vous a donné le temps. Je parlais avec le pasteur, on me disait, nous avons donné 3 jours, nous avons donné 1 semaine. Moi, je me taisais. Au peuple de Dieu, de Gaucher, j'ai donné 21 jours et j'espère qu'ils auront le temps de tourner et de tourner leur vie pour l'exposer à Dieu, pour dire pardonne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous confessons nos péchés, nous avons changé de maître. Alléluia. Amen. Nous changeons de maître. Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, c'est-à-dire que l'ancien maître n'a plus le pouvoir sur nous. L'ancien maître, c'est Satan. Il n'a plus de place. Ça, c'est un. La deuxième, nous ne sommes plus des esclaves du péché. Alléluia. Dans le temps, il y a un péché qui ne parvenait pas à quitter ta vie. Tu fais tout, mais des mensonges, des calomnies, des paroles du mal des autres, ça revient, tu trouves au téléphone, tu es en train encore de parler de quelqu'un. Tu es en train d'avoir la jalousie. Ces péchés qui reviennent, c'est fini là. Lorsque tu as pris la décision, ces péchés n'ont plus de place dans ta vie. Alléluia. Je voudrais ajouter quelque chose. J'entendais le serviteur de Dieu qui prêchait. Je me suis dit, ça c'était un péché terrible. Alléluia. Amen. Le péché que nous ne contrôlons pas, mais que nous pouvons prendre la décision de demander à Dieu la force de faire ce péché. La femme et le mari d'ennemis. Alléluia. Amen. Ce péché, c'est un péché qui pénètre tout doucement dans notre vie. Et puis, ça te fait honte d'en parler même à ta femme ou à ton mari. Ce péché est là. Tu commences à te demander comment ce péché sortira de ma vie. Tu prends la décision, tu confesses, si tu n'as pas plus le temps de gêner et de demander à Dieu de le supprimer, ça revient. Ce péché-là,
tu es lié. Ta femme n'existe plus parce que tu as une autre femme. Ton mari n'existe plus parce que tu as un autre mari. Si tu es encore jeune, célibataire, garçon ou fille, tu n'as pas envie de te marier. Parce que tu es marié. Tu te réveilles épuisé. Et tout ce que tu as fait pendant la nuit, ce péché-là, il faut prendre. C'est très difficile d'aller le confesser à un ami, à moins que tu aies déterminé de dire, je vais en parler à un tel, je vais en parler à telle personne. Je sais qu'il va garder mon secret. Tu as honte même de le dire. Et pourtant, c'est un péché qui ne peut pas partir si tu ne prends pas la décision, si tu n'es pas déterminé, si tu ne le confesses pas avec force, ce péché va revenir et va t'empêcher de vivre convenablement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Même si tu es en train de prêcher la parole de Dieu et que cette vie est en toi, prends la décision de dire non. Je vais prendre 3 jours, je vais prendre 4 jours, je vais prendre 10 jours pour que cette situation quitte. C'est quelque chose qui existe. Et lorsque j'ai entendu cela, le serviteur de Dieu, lorsque je l'ai entendu parler, je me suis dit, il faut que ce péché, que j'en parle dans l'église, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui en a, et qui va, qui, ce sont des choses qui arrivent incontrôlées. Incontrôlées parce qu'il y a une faille, il y a une porte que tu as ouverte pour que cette histoire puisse entrer dans ta vie. Et tu dois l'arriver. C'est quelque chose qui arrive à une femme mariée, à un homme marié, à un célibataire, à une fille ou garçon. Satan, à tout le monde, Satan utilise toutes sortes de manières pour nous attaquer. Nous devons confesser ces péchés-là. Si tu es capable de faire un jeûne de plusieurs jours en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Tu demandes la présence du Saint-Esprit à tout moment pendant que tu dors, tu invoques, que tu prends la décision de dire « Je voudrais être avec le Saint-Esprit, je voudrais me couvrir avec le sang de Jésus toute la nuit ». Il faut le faire parce que tu ne sais pas combien de temps qui te reste. Tu peux partir et tout le monde va dire « Émettez ». Il était bien, il parlait de la parole de Dieu. Mais tu as un péché que tu n'as jamais suggéré, pour lequel tu n'as jamais demandé pardon. Tu ne le veux pas certainement parce que ça fait honte. Tu n'oses même pas en parler à ton partenaire. Alléluia. Va vers Dieu. Dieu va garder ton secret, mais cherche à sortir de cette situation. C'est une situation que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste. Et Satan a profité de cela. Et puis il t'intimide, il t'empêche. Ne parle pas, sinon tu seras ridicule devant les gens. Frères et sœurs en Christ, nous devons confesser tout cela. Je ne veux pas tarder, mais si Dieu m'aide, j'aurai l'occasion de vous en parler en long et large. Parce que ça m'a touché énormément. Donc, nous ne sommes plus des esclaves du péché. Il y a des gens qui sont esclaves des femmes de nuit, des hommes de nuit. Il faut se libérer de ça. Tu trouves un plaisir là-dedans. Tu ne t'en sors pas. Alléluia. Amen. Et tu n'oses pas en parler à quelqu'un. Parce que ça fait de la honte. Ça te détruit spirituellement et physiquement. Physiquement, il y a des conséquences, plusieurs conséquences qui courent de là et qui affectent pas mal de personnes dans la vie. Troisièmement, nous ne devons plus vivre pour lui. Nous ne vivons plus pour le péché. Le péché, nous l'avons abandonné.
Avant, on vivait pour ses péchés. Mais lorsque tu changes, tu dois confesser tes péchés devant Dieu, tu ne veux plus pour cela. Si Satan vient frapper, non, cette affaire-là est classée. Alléluia. Quatrièmement, nous ne recevons plus un salaire. Alléluia. Lorsque tu es engagé, lorsque tu travailles pour le péché, tu reçois un salaire. Et ce salaire s'appelle la mort. Tu es entré, allé tout droit, comme cet homme ivre, je vais tout droit en enfer à cause de l'alcool. Toi aussi, à cause de ton péché, tu reçois un jour. Tu es mort déjà spirituellement et tu vas suivre aussi, la mort va suivre physiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais au contraire, nous sommes devenus des heureux esclaves de Dieu et de justice. Alléluia. Amen. Lorsque tu as confessé le péché, tu deviens esclave. Le terme esclave ne me plaît pas. Tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu aussi, c'était un esclave de Dieu. Mais j'utilise le terme pour que vous puissiez comprendre. Nous devenons des enfants de Dieu. Et de la justice. C'est la justice qui te conduit. Lorsque tu parles, c'est la justice. Lorsque tu raisonnes, c'est la justice. Lorsque tu adresses la prière à Dieu, c'est la justice. Lorsque un ami est à côté de toi, il sent la justice en toi. Alléluia. Amen. Pas seulement ça. Lorsque tu as confessé le péché, tu grandis. Alléluia. Tu grandis, tu deviens grand. Il y a de ces gens qui, je ne sais pas, ici la plupart, sauf les jeunes, la plupart ont plusieurs années dans le Seigneur. Mais ils ne grandissent pas. Ils restent comme un enfant qui a un problème de croissance. Et les parents s'inquiètent lorsque on a un enfant qui ne grandit pas, un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais qui parle encore comme un bébé, c'est un problème. Il faut te faire soigner. Quand est-ce qu'on attend qu'on a grandi? Lorsqu'on se consacre au Seigneur. C'est ça, grandir. Tu arrives, tu es arrivé, tu as été béni, mais tu grandis aussi dans la consécration au Seigneur. Amen. Tu es prêt à servir le Seigneur. Partout où tu es, tu parles du Seigneur. Tu sers le Seigneur dans tout, partout où tu es, même dans ton travail. J'ai fait mon travail pour que Dieu puisse être honoré, pour que Dieu puisse être glorifié. Ton travail à toi. Dans ta maison, lorsque tu enlèves la neige, alléluia. Amen. Je rigole parce que, oui, je le fais pour le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Tu dis, je suis en train de faire ceci pour le Seigneur. Et pas pour dire, c'est pour que ce soit... Non, d'abord pour le Seigneur et ensuite la propriété va venir après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se consacrer au Seigneur. Jusqu'au jour où Dieu nous accordera librement la vie éternelle. Il faut te consacrer au Seigneur, être au service du Seigneur, jusqu'à ce que tu seras dans l'éternité. Alléluia. Amen, amen. Jusqu'à ce que tu seras dans l'éternité. Notre Seigneur Jésus-Christ est puni à notre place. Pour le péché que nous avons commis, il nous a libérés de la loi. Savez-vous que lorsque quelqu'un commettait le péché dans l'Ancien Testament, il était condamné à mort, soit il était tué, soit Dieu a envoyé quelque chose qui va l'emporter. Nous, à
cause de Jésus-Christ, nous avons été introduits dans le régime de la grâce et du Saint-Esprit. Alléluia. Tu commets le péché? Je ne vois pas pourquoi nous traînons, pourquoi nous menons même une mauvaise vie. Parce que nous sommes. Dieu nous dit, dès que tu as commis le péché, demande pardon. À cause de la grâce, tu es pardonné. Il y a ceux qui traînent le péché pendant une semaine, je n'ai pas eu le temps. Quel temps? Confesser ce péché, Dieu ne te demande pas de passer toute la journée en train de confesser tes péchés. Ce qui plaît à Dieu, c'est de regarder le cœur. Est-ce que dans ton cœur, le regret que tu as, ça se trouve dans ton cœur? Ou c'est quelque chose que tu es en train de dire superficiellement? Alléluia. Amen. Donc, on peut confesser ce péché, même en dehors d'une minute. C'est fini. Parce que Dieu regarde le cœur. Tu peux dire beaucoup de paroles, mais si ton cœur n'y est pas, ton péché n'a pas été pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons été introduits dans la nouvelle alliance, dans la grâce de Dieu. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lisons Galates chapitre 2, versets 19 et 20. Quelqu'un peut me lire ça? Galates 2, 19 à 20. Celui qui a trouvé peut lire ça. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Souvent nous disons cette parole gratuitement comme ça, et pourtant, ce n'est pas Jésus-Christ qui vit en toi, c'est toi-même. Tu es encore là, la vieille personne, tu la traînes partout. Ta colère, ta façon de parler du mal des autres, ça n'a pas changé. Ta façon d'être orgueilleux, ça n'a pas changé. Tu dis que tu es dans le Seigneur. Alléluia. Ta façon de tricher, tu n'es pas dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu vous demande de changer. Alléluia. Nous devons vivre comme Dieu nous le demande. Nous devons changer. Je ne doute pas que vous avez changé. Au cours de ces derniers jours, j'ai senti que tout le monde est en train de participer, que tout le monde est en train de changer. Je souhaite de tout cœur qu'on soit à un autre niveau, qu'on puisse ressentir dans l'Église, qu'on puisse ressentir lorsque nous causons entre nous. Cette personne a changé son langage. Sa façon de parler, sa façon de se lamenter, je ne l'entends plus. Je n'entends plus telle personne en train de se plaindre. Alléluia. Alléluia. La façon de te considérer, tu es imbu de toi-même, tu parles de toi-même, moi, ça a changé. Tu es en train plutôt de parler des autres personnes, les mettre devant à ta place. Amen. Mais il a changé. Il a changé. Notre frère a changé. Notre sœur a changé. Non, seulement dans ton langage, quelqu'un qui te connaît dans l'église va dire, tu as changé. Il faut que tu changes. Juridiquement, nous ne sommes plus sous notre propre identité. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Marcher, que c'est moi, ce n'est plus moi, c'est Christ. Ce n'est plus ton identité, ce n'est plus sous ton nom que tu marches. Alléluia. Amen.
ce n'est plus quelque chose que tu fais, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est la force du Seigneur qui est. Amen. Alléluia. Ce n'est plus, tu ne travailles plus à ton compte. Alléluia. Mon argent, mon argent. Oh. Dis, c'est l'argent du Seigneur. Seigneur, dis-moi comment je dois dispatcher mon salaire. Donne-le. Alléluia. Amen, amen. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est devenu mourir, il a dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écarter cette coupe? Mais qu'est-ce qu'il a dit à lui encore? Que tu n'agisses pas comme je veux, mais comme je veux. Là, on utilise ces mêmes termes pour ton salut. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de cet argent, mais Seigneur, ce que tu vas me demander, je vais redonner, je sais que tu vas me retourner le centime. Tiens donc. Au lieu de t'inquiéter, oh, je n'ai plus rien. Nous avons vécu ces moments difficiles. Alléluia. Lorsque je suis tombé malade, nous avons vécu ces moments difficiles. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Je ne vois pas comment je peux m'inquiéter encore alors que j'ai vu Dieu agir, même envers mes enfants, je me disais, comment ils vont manger? Lorsque je suis tombé malade, je suis arrivé ici, tout ce que j'avais épargné était fini. Nous l'avons mangé et il ne restait plus rien. Alors que, lorsque je suis venu d'Europe, je me disais, je suis bien équipé. Je vais faire des affaires avec cet argent. Parce que manger sans maître, Dieu nous a fait vivre. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants ne sont pas morts de faim. Dieu a prévu. Amen. Je pense que vous aussi, Dieu peut pourvoir, il peut vous donner ce qui manque. Amen. Je vous le dis, parce que c'est une expérience que j'ai fait, que j'ai vécue, et je sais qu'il peut le faire aussi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre vie en tant qu'homme n'est plus à nous. Ta vie là, ma vie, je la fais, c'est la mienne, elle est à moi. Frères et sœurs à Christ, il faut que ça change. Cette vie n'est pas à toi, c'est une vie à Jésus-Christ qui y a donné sa vie pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que notre Seigneur a obtenu pour nous, nous sommes appelés à le vivre concrètement maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après 21 jours, nous devons vivre la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Nous devons vivre concrètement, pas lorsque je suis à la maison, mais lorsque je sors à l'extérieur, je suis au bas de mon cœur. À côté de toi, il y a encore des gens qui se moquent de Dieu, qui se moquent de l'Église, qui se moquent des chrétiens, et qui sortent, tu restes assis, tranquillement. Si tu ne sais rien dire, mets-toi debout, laisse-les, parle. Et tu parles pourquoi? Parce que vous parlez mal des chrétiens, alors que je le suis. Et toutes les personnes que vous êtes en train de parler, salir, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Et je ne vous fais qu'entrer plus. Ils vont dire, écoutez, on va cesser. On ne va plus parler de ça, parler d'autre chose. Mais il faut que tu réagisses. Mais si tu n'as pas réagi, tu aimes la conversation. Et cette conversation va continuer. Nous devons nous débarrasser de ces habitudes-là, nous débarrasser de ces amis-là, nous débarrasser de ces frères-là qui ne savent plus, qui ne savent pas encore qu'ils doivent parler du bien de l'Église de Dieu, qu'ils doivent parler bien des frères en Christ, qu'ils doivent bien parler de Jésus-Christ lui-même. Nous devons nous imposer dans ce monde, dans cette société qui patauge dans le péché. Il faut que les gens sentent notre présence comme des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et
Je voudrais vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ a obtenu le verdict d'acquittement. C'est-à-dire, nous étions condamnés, il est venu, il nous a défendus par son sang, par sa mort, nous avons été acquittés. Cet acquittement, nous devons le vivre dans l'intégrité. Alléluia. Nous devons le vivre dans l'intégrité. Nous devons le vivre dans la sincérité à nous-mêmes. Si tu n'es pas sincère avec toi, c'est faux. Tu fais semblant et Dieu peut te punir parce que tu fais semblant devant la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons vivre concrètement. Dans la droiture, il faut que nous puissions marcher dans la droiture. Cette façon de marcher. Notre race, notre vie, c'est comme ça. Le terme qu'on utilise en Kinyarwanda, à qui on dit, ce sont des termes un peu pour te dire que tu dois être malade, tu ne dois pas dire n'importe quoi, tu ne dois pas dire tout. Hey, tu as changé de nationalité. Tu appartiens à la nationalité du ciel. Tu as changé de contexte. Tu n'es plus dans le contexte de Rwandais, de Burundais, mais tu es dans le contexte de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et tu dois changer. Alléluia. Nous devons nous rappeler continuellement que Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Amen. Nous devons changer, frères et sœurs, à Christ. Il n'y a Christ, nous menons une nouvelle vie. Pendant 21 jours, nous avons pris le temps de nous repentir, afin que Dieu accepte. Que Dieu accepte de nous visiter. Alléluia. Amen. Vous rappelez, nous avons dit, nous voulons voir la face de Dieu. Alors, nous avons pris ce temps pour que Dieu nous visite. Alléluia. Alléluia. Amen. Deux, pour que Dieu manifeste sa face sur nous. Amen. Le terme que nous avons utilisé, c'est celui-là. Trois, pour qu'il nous fasse connaître sa volonté. Seigneur, quelle est ta volonté à moi? Quatre, qu'il nous révèle ce qu'il attend de nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce n'est pas que moi je dois attendre ce que Dieu va faire pour moi, mais qu'est-ce que moi, Dieu attend de moi? Seigneur, dis-moi ce que tu attends de moi. Alléluia. Alléluia. Ne cherchons pas pour chercher. Ne cherchons pas Dieu pour le chercher. Ne cherche Dieu parce que tu connais tes besoins, tu les détermines. Voici, je te cherche, voici pourquoi je te cherche. Je voudrais connaître ta volonté, je voudrais connaître ce que tu veux de moi. Alléluia. Amen. Essayons d'être sincères avec nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on se trompe. En faisant semblant, Dieu regarde le cœur. Tu peux faire semblant devant ton frère et soeur. Tu peux faire semblant devant le pasteur. Tu peux faire semblant devant le monde qui t'entoure. Mais devant Dieu, il connaît la vérité. Il sait que tu n'es pas sincère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accordons plus d'importance à ce qui donne crédit au royaume. Qu'est-ce qui donne crédit au royaume de Dieu? C'est ça que tu dois donner. C'est là où tu dois donner priorité. Et quand est-ce que Dieu sera ce que je veux? Si tu apportes de la priorité, si tu apportes de le crédit au royaume, Dieu va s'occuper de toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Cherchons avant tout les choses éternelles et tandis que les choses de chaque jour, Dieu les donne n'importe quand et n'importe comment, comme tu veux, si tu es dans la voiture. Alléluia. Je voudrais ajouter quelque chose. Jérémie 26, versets 12 et 13. Jérémie 26, 12 et 13. Tu peux lire ça pour moi. Jérémie 26. 12 et 13. Oui. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais dire ce qu'on a écrit chez moi, 12 et 13. J'ai vu 26. C'est ce que j'ai dit. Et Jérémie parla à tous les principaux et à tout le peuple en disant, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville seront toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant donc, corrigez vos conduites et vos actions. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Alléluia. Amen. Parfois, le Seigneur peut me dire quelque chose. Lorsque je viens vers vous, est-ce que vraiment ce qu'il est en train de nous dire, ça vient de Dieu? C'est moi qui m'engage. Toi, si je vous dis que c'est Dieu qui m'a dit, accepte. Si je suis en train de raconter des histoires, Dieu lui-même s'occupera de moi. Parce que c'est lui qui m'a amené comme serviteur de Dieu, c'est lui que je crains. C'est lui que je témoigne. Et lorsque je vous dis quelque chose et que je dis que c'est Dieu m'a dit cela, je ne peux pas jouer avec mon Dieu. Je connais sa valeur, je connais sa place. Je ne peux pas venir vous raconter des histoires. Alléluia. Je voudrais vous dire ceci. Que tout ce que nous avons dit et que nous attendons encore maintenant au sujet de notre Église n'est pas une affaire d'homme. Tout ce que je vous dis concernant notre Église, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas l'affaire de Kajouka. C'est un message que Dieu m'a donné. S'il vous plaît. Mais c'est une instruction de Dieu. C'est une promesse que Dieu nous a fait. Nous en sommes sûrs. J'en suis sûr. Je ne me pose pas la question lorsque quelqu'un dit est-ce que c'est vrai, que je me dise est-ce que je ne reviens pas derrière pour dire est-ce que ce que j'ai dit est vrai. Je suis convaincu de ce que Dieu m'a dit. Vous pouvez accueillir, vous pouvez accepter ou refuser. Sachez bien que moi je reste là. Je ne rentre pas. Je rentre lorsqu'il s'agit de moi. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, je ne rentre pas derrière. Dieu a parlé, le reste il fera. Frères et sœurs en Christ, nous devons changer. Nous devons accepter ce que Dieu a dit. Acceptons-le et attendons. Si, comme il a donné une promesse, la parole de Dieu dit, c'est elle tarde. Laisse, note-le dans le carnet, dans ton carnet. Encore une fois, attendons-la, cette promesse.
et il s'accomplira, certainement. Que je meure, mais l'Église de Dieu ne mourra pas. Il nécessitera quelqu'un qui va faire cette promesse. Je vais mourir. Alléluia. Alléluia. Je suis venu ici sur la terre et je partirai. Je suis venu ici pour Glory Church. Un jour, il y aura quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le premier en Glory Church. Mais ce que je dis, ce que Dieu me dit, je le dis. Si les gens n'acceptent pas, ils auront à rendre compte devant leur Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas à moi. Alléluia. En plus de cela, de ce que de cette parole que nous venons de voir, à cause de la manière dont nous sommes humiliés. Alléluia. Nous venons de nous humilier en cherchant la face de Dieu. Cette façon de s'humilier, Dieu n'oubliera jamais. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose. Lorsque dimanche passé, lorsque nous ne sommes pas venus, à cause du mauvais temps, lorsque j'ai vu que Niche était venu, j'étais touché dans mon cœur. J'ai glorifié le Seigneur pour Niche. Niche, j'ai glorifié le Seigneur pour toi. Ce que tu as fait, et que tu as brisé le temps qui n'était pas bon, et venir jusqu'ici, Dieu s'en souviendra. Amen. Il s'en souviendra. Amen. Un jour, tu verras tout me plaît sur les autres. Mais bien sûr que je suis allé voir et j'ai constaté qu'on avait dit, mais moi je me trouvais sur le terrain. Dieu n'oublie pas. Il a un livre de souvenirs. Amen. C'est inscrit dans son livre de souvenirs. Amen. Alléluia. Cette parole, il y a une parole de Dieu qui parle de ça. Papa Serge a écrit cette parole terminement sur WhatsApp de l'Église. Jacques 4, verset 8 à 10. Est-ce que vous pouvez lire cette parole? Il a écrit verset 10, mais moi j'ai pris à partir de 8. Jacques, chapitre 4, verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. 10 aussi. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Voici là où se trouve l'élévation. Lorsque tu t'es humilié, tu es élevé. Lorsque tu es monté, tu es allé au sommet, Dieu te fait descendre, tu fais une chute libre. Alléluia. Craignons Dieu. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas grand-père où tu vas venir taper la tête et taper n'importe où. Dieu, c'est une autorité. Nous devons le craindre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Nous devons craindre Dieu à Amen. Tout moment. Il est papa, il est notre père, il nous aime, il nous fait du bien, mais aussi il est une autorité. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je parlais ici d'autorité, papa a été sous-chef. Et j'étais jeune. Je ne savais même pas qu'il était sous-chef à ce moment-là. J'étais avec mon grand-père, son père. Il m'accompagnait au garder les veaux de la famille. Et papa passait. J'ai vu mon grand-père arriver le chapeau pour saluer son fils. Pour lui donner l'honneur qu'il est dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était son fils.
Mais il avait été élevé à un autre niveau que son père, devant tout le monde, a levé le chapeau pour saluer son fils. Ça m'a touché. J'ai voulu demander à mon grand-père. Il était souvent très sévère envers moi. Je n'ai pas posé la question. Mais plus tard, lorsque j'ai grandi, j'ai posé la question à mon père. Il y a quelque chose qui me trotte dans ma tête. J'ai vu, d'ailleurs le grand-père était déjà mort. Je dis, j'ai revu arriver le chapeau devant toi. Et toi, toi aussi, tu as accepté. Tu n'as même pas donné la main. Tu étais oublié déjà, suivi par déjà. Au lieu d'aller lui donner la main, le saluer, toi, tu as fait un geste comme ça. Puis tu as continué avec tes jambes. Grand-père est resté avec moi. Papa m'a dit, ce papa-là, mon père, il m'a élevé. Lorsqu'il a su qu'on me donne la responsabilité de la région, du quartier, de là où nous habitons et aux environs, il m'a élevé aussi. Et puisque c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui doit me donner des respect devant tout le monde, qui doit m'honorer devant tout le monde. C'est ça ce que ça signifie. Si jamais Dieu t'est élevé, lorsque tu seras grand, ne pense pas que je viendrai pour dire c'est mon fils qui t'est, moi je vais le saluer. Je vais te saluer comme tout le monde. Sauf toi-même aussi, tu me dis viens. Alors, je voudrais vous dire que nous aussi, nous ne devons pas jouer avec Dieu. Parce que nous avons entendu qu'il est notre Père, qui fait du bien, qui est généreux, et qui est gentil, et qui nous aime. Nous devons reconnaître l'autorité de Dieu. Amen. Comme ce grand-père a reconnu l'autorité de mon Père, devant tout le monde, en enlevant le chapeau. Et il a mis le chapeau lorsque papa venait de passer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, je voudrais vous demander que nous devons avoir en tout temps une attitude de repentance. Amen. À tout moment, prêt à demander pardon. Amen. Prêt à confesser tes péchés. Partout où tu es, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux. Et dans une attitude aussi d'intégrité. Une attitude aussi de droiture, lorsque nous implorons la bonté de Dieu à notre égard. Lorsque tu vas prier, tu dois d'abord t'humilier. Tu dois d'abord dire, est-ce que je n'ai pas péché? Parce que Dieu n'aime pas s'approcher des gens qui n'ont pas la sainteté. Tu ne peux pas approcher le Dieu saint si tu n'es pas saint. Tu dois te laver, tu dois te purifier par une repentance. Lorsque nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu avec patience, nous devons avoir une patience qui persévère. Nous devons rester à notre poste pour que Dieu nous rencontre là où il nous a affectés. Amen. Dieu parfois vient nous chercher, mais dans les portes, Dieu n'a pas répondu, moi je vais me promener. Tu as quitté ton poste alors que les bénédictions arrivaient. Toi tu es parti trop tôt. Restons à notre poste. Unis à Christ, nous menons une nouvelle vie. S'unir à Christ demande une préparation. C'est le demande. 1. Ça demande une repentance. Pour s'unir à Christ, tu te prépares, tu dois te repentir. 2. Il faut un renoncement. Renoncer à toi-même pour que Jésus-Christ prenne la place. 3. Un abandon. Tu dois t'abandonner complètement entre les mains de Jésus-Christ, entre les mains de la sainteté, pour que tu puisses fonctionner comme ça. 4. Tu dois avoir une restauration. Tu dois être restauré. Tu dois être saint pour que Dieu puisse t'accueillir pour que tu puisses t'unir à Jésus-Christ. 5.
tu dois marcher dans la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ne dépendre que de notre Seigneur seul. Amen. Pas à toi-même, pas à quelqu'un d'autre, à Jésus-Christ seul. Alléluia. Amen. Jésus-Christ seul. Lorsque nous atteignons cette relation et ce niveau, la parole qui est une épée à deux tranchants habite à nous, viendra habiter à nous. Parce que nous avons atteint une relation, nous avons atteint un certain niveau. Et le Saint-Esprit de Dieu prend place de conseiller et donne sa direction. Alléluia. Voici les préparations que nous devons avoir avant, lorsque nous avant de s'unir à Jésus-Christ. Dès maintenant donc, demeurons en Christ avec la parole de Dieu à l'appui. N'allez pas chercher à tenir à Jésus-Christ si la parole n'habite pas en toi. Cherche d'abord la parole. Et le Saint-Esprit nous conduira pour voir la face de Dieu que nous désirons voir dans plusieurs domaines de notre vie au cours de cette année 2019. Que Dieu vous bénisse. Amen.